Zaïd. Tu connais Zaïd, Katel? Je connais Zaïd. Est-ce que je connais Zaïd? Zaïd, on a fait des FIFA ensemble. Des soirées FIFA ensemble. Soirées FIFA ensemble, soirées guitare, plus barbecue. C'est un pote à nous, réalisateur d'ailleurs, le Fred, Drake Guamoreau, qui a fait nos deux premiers clips à Astamito. Il y a une vidéo d'ailleurs de qui tourne de freestyle. Oh, c'est freestyle. Non, non, Zaïd, c'est au début de l'année, je ne le connaissais pas. D'accord. Non, c'est un frère. C'est beau. On s'est rencontrés au Cariati 3 rue de Palestro dans les soirées. Oui, la plus chère, mec. Hey, mais franchement, je le dis tout en entier parce que comme ça, je m'en rends vraiment bien compte. Tu fais, est-ce possible? Était-ce il y a moins d'un an? I don't believe it, but this is the truth. Le temps n'existe plus. Exactement. Ouais. Lui va faire mal, attention les gars. Attention les gars. Attention. Mathieu Recall. Total Recall. Voilà. On t'a vu la semaine dernière. Non, on a pas. Il y a deux semaines déjà, ça passe trop vite. Sweet smiles are all me. Je suis accompagné Soraya et là cette fois-ci c'était toi avec ton groupe. Comment il s'appelle ton groupe? Les Voodoos. Les Voodoos. Yeah. Bonjour, je m'appelle Louis. Ouais. Guitariste. Allez trouver un nom mon pote. Oui, guitariste. Ok, et le bassiste. Le bassiste est là. Je te greffais à l'interview en fait. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Desert me for you, you'll come back around. I'd leave you to the sun while I'm me loading my rounds. Et il y a le batteur là-bas qui esquive. Il esquive, je l'ai vu. Il fait une entrée en scène en fait. Ouais, ouais. C'est une technique. Hey. Qu'est-ce que vous faites les mecs là? J'avoue c'est un peu suspect là. C'est le meilleur. Stop, mec, stop. Pas moi. Got to find my way by myself. I'm gonna find my way all by myself. I'm gonna see his face very soon. I'm gonna keep my faith now till the passé. Ça fait plaisir. Ouais, c'est fait plaisir. C'est notre premier concert. Ça pouvait pas être parfait, mais ça... Ouais. Que vous roulez ensemble? 15 ans. Le batteur, c'est aussi plus de 15 ans que je le connais. Ouais. Lui, je jouais avec lui dans un groupe de reggae. D'accord. Et, okay. Et en fait, on a du taf là. On continue. D'accord. On n'a pas de Facebook, pas de MySpace, on n'a pas de site. On n'a pas de public. On n'a rien quoi. Et tout reste à faire. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, bah, vous ne pourrez pas. Ouais. Yeah!
tient la structure, quoi, du coup. Voilà, faut tout faire. La structure de com. On reviendra. On reviendra en force. Aussi. D'accord. Ok, bon bah. C'est une interview pourrie parce qu'en fait, bah, le groupe date de 3 jours si tu veux. On est pas, pas très pro. C'est pas voilà, on est pas pro. 20 septembre, le Bataclan, ouais. Allez, c'est lancé. Aïe, aïe, aïe. Il y a une question pour toi. Une question pour toi, Rico. Ça n'intéresse pas. C'est une technique de drague, je crois. C'était le bâtard. Voilà, bon c'est pas grave, voilà. Ce sera ça son interview. Un sourire se hisse et s'affiche sur ton visage, aigri par la vie. Oui, aigri par la vie ou par l'ennui, je sais pas. T'affiches un putain de sourire quand on dit long sur le fond de ta pensée, oui. Au fond qui laisse entrevoir un vide qui lui est avide. Des autres. Tu veux te nourrir et pour ne pas mourir, tu t'accroches à ce qui te semble proche. Aimer ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est de prendre et de ne pas rendre, et de tout faire pour que j'en dépende. De ton sourire, de tes rires, empreints de sincérité et de fausse vérité. Tu es toute mouillée, trempée. Je suis mouillée parce qu'on m'a désarmée. On a réussi à te désarmer. C'est un scandale. Incroyable. Un scandale, là, il y a une chanteuse d'opéra qui va chanter sur ma C'est vrai tout à l'heure. La petite, là ah, mais elle est partie parce qu'elle est complètement trempée. Ah, c'est celle qui est trempée. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Tu peux dire un mot pour We Love Jam TV ? Bah, la Jam, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Je suis là depuis que Dorel m'a dit « Viens avec ta guitare, regarde, c'est sympa, maintenant je suis client. » Et je pense que c'est... J'espère que ça va durer longtemps. L'ambiance, elle est patate et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est génial. J'entends souvent les échos des chaînes. On veut nous faire croire qu'on n'a aucun problème. Aucune raison de se lever, de se réveiller. Aucune solution, nos plaintes ne sont pas fondées. Nos plaintes, que l'échiquier, plus aucune émotion. Devant la mort et le sang, les corps sont devenus vides. Les cœurs avides qui vident, des esprits stupides et morbides. Des esprits bizarres, mais pas que dans les cauchemars. Petite vibe, elle m'a dit, j'organise des soirées mademoiselle, en compagnie de mes sœurs. Ouais. Et là, il y avait des sœurs à recruter là pour, exact. Pour ta soirée. Pas pour ta soirée, c'est pas une soirée, c'est... C'est une soirée avec un peu de live en début de soirée. D'accord. Et ensuite DJ. Et on fait ça tous les premiers jeudis du mois, on reprend en octobre. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir, c'est cool. Voilà. C'est où ? Au Miss Miss. D'accord. Dans le 11e. Au Miss Miss tous les jeudis... Tous les premiers jeudis du mois. Premier jeudi du mois à partir d'octobre. À partir d'octobre, exactement. Ok, très bien. C'est noté. On vous attend. Peace and love and harmony. The best concept of coming to the earth is the revival, the reggae music. But for Yalla Saka, Yang invites the light. But for Yalla Saka, Yang invites the light. Let's go, again, say.
to pray, humble me. Coupe, coupe, il y avait la clope. Ça les indispose en fait. T'as perdu, t'en as rien à perdre. Moi j'ai l'habitude des caméras, j'ai l'habitude donc ça me pose aucun problème. Pour tous. Au départ, c'est un hôpital psychiatrique et maintenant, c'est pour tous les fous normaux. D'accord. Les fous en liberté. Ouais. Okay. Et tu fais ça où ? Pour le moment, c'est sur une péniche, deux péniches, OR2, et puis c'est suite, enfin, on va voir. De Mounir et Mounir Katché, Vincent Lafleur, lundi dernier. Mm-hmm. C'est comme We Love Jam, c'était fermé pour rénovation et tout. On s'est tous barrés là-bas et on s'est rencontrés. Ah, ouais, ouais. C'était le seul jour de l'année où c'était fermé. Est-ce que vous le faites tous les lundis, en fait ? Ouais, tous les lundis. She spoke a little early about what music does to her. She ain't need no doctor, she ain't need no man, she just needed her music. Where you at, ma? Soul music. Soul music. If it's good for you, it's good for me. It's a little formula that goes into that musical pedigree. Bassline moaning. Stacks man. And the percussion is ho! Killing African beats. Ce soir je viens ici et que je te slam. Je te donne ce qui couvre sous le macadam, ce qu'il se passe dans les sous-sols, dans les trams. Je m'appelle Will.
Will. Moi je sais jamais quoi dire dans ces circonstances. Ouais. C'était la première fois que tu venais ? C'était la première fois pour moi et c'est vrai que c'était pas facile mais, ouais. Mais j'ai réussi à surpasser ma peur. Mm-hmm. Je suis venu et à même un moment je suis monté sur scène et j'ai chanté. Ouais, tu t'es laissé emporter par la vibe. Je me suis libéré complètement et c'était magnifique. Ouais. Merci les Cariatides. Bah, merci à toi d'être venu et d'avoir partagé avec nous. C'est cool. C'était un plaisir. Vous allez faire un show ici bientôt ? Bah ouais. Et apparemment, c'est pas encore quand mais ça va être programmé. La clé de sous-sol. Vous avez un groupe ? C'est ça. La clé de sous-sol. La clé de sous-sol. D'accord. La clé de sous-sol. Voilà. Et vous allez intéressant. Faire Apocasie. Les Apocasies. C'est juste avant la fin du monde. Vous savez jamais regardé peut-être sur internet, il y aura un projet apocasique pour le 21 décembre 2012. Voilà, et le lendemain, c'est un vendredi, on fera une grosse soirée, on est toujours vivant. D'accord. Ce sera des grosses soirées. C'est comment ? C'est comment ce séjour au Sénégal ? Ah, c'était frais, hein ? Ouais. Un peu trop chaud, mais ça va, hein. Après tu reviens ici. Et j'avoue, t'as bronzé. Ta gueule. Ta gueule. Mais ouais, non, ça va, ça s'en prend petit à petit, tu vois. Mm-hmm. Là, je suis venu prendre la température un peu, et puis lundi prochain, on reprend de plus belle. Exactement, ouais. Lundi prochain, c'est toi qui prends le relais. Voilà. Voilà, moi j'ai bossé tout le mois d'août, là, de juillet comme un chien. Ouais, non mais bon. Et voilà. Voilà quoi. Ok. Mais tu nous l'as déjà fait, hein, on a déjà... Non, il est en showcase la semaine prochaine. Mais oui, donc, mais voilà. Oui, dis-nous, t'es en showcase la semaine prochaine. Moi, je suis prochaine. En showcase de Karatid, lundi 27 août. Ouais. Venez à 8h45, ça commence à 9h40. Voilà, je vais me présenter en guitare-voix, présenter mes compositions juste avant la jam, lundi 27. Ok. Cette date, voilà. Arrête tes conneries, le chemin du paradis n'est pas celui que tu as pris. Bad boy, arrête tes conneries, ton avenir est compromis, ta vie est en sursis. Je voudrais bien, mais par quel chemin dois-je me prendre en main pour me sortir de cet endroit malsain, ne plus avoir peur de rien, manger à ma main, me faire du bien, en faire du bien à mes proches, pas même à ceux qui sont loin.